Le G7 et les pays du Golfe vont allouer 1,8 milliard de dollars au financement des agences de l'ONU qui aident les réfugiés syriens. Il a fallu la déclaration de faillite des agences humanitaires de l'ONU par le secrétaire général Ban Ki-moon lors de l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies pour que le G7 et quatre pays du Golfe se mobilisent. L'Allemagne, elle seule, va donner 100 millions d'euros et avec cet argent, nous ne soutenons pas seulement les organisations humanitaires, nous soutenons aussi les pays hôtes. Ces nations qui ont accueilli tant de gens depuis la crise syrienne, la Turquie, le Liban et la Jordanie, a déclaré Frank-Walter Steinmeier, ministre allemand des Affaires étrangères. Le PAM et le HCR sont sur le front depuis 4 ans et demi en Syrie pour gérer les camps de réfugiés, alors que la guerre a engendré 8 millions de déplacés et de réfugiés. L'ONU a fait une demande record de 20 milliards de dollars cette année pour faire face à la crise migratoire. C'est 6 fois plus qu'il y a 10 ans.